Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ça devrait être bon normalement. J'espère que vous allez bien. On se retrouve avec Olivia. Bonjour. Bonjour, bonjour. Pour la nouvelle version de Hello Neighbor, la version finale de Hello Neighbor. Il est enfin sorti. Vous savez, le jeu est en bêta, en alpha depuis un petit moment. Il y a eu plein de versions, plein de maisons. Et cette fois-ci, il est enfin sorti en version finale. On a une histoire, on a plusieurs chapitres, on a vraiment plein de trucs. On a des trucs chelous aussi. On a des trucs bizarres de fou. Ça a l'air vraiment, vraiment, vraiment cool. On est d'accord ? Ça a l'air méga cool. Et on voulait absolument découvrir ça avec vous, puisqu'il est sorti aujourd'hui même. Il est sorti aujourd'hui. Du coup, c'est vraiment la hype, mais genre du futur. Ok, on a trop envie de voir ce qui va se passer, de voir un petit peu tout ce qui va être là-dedans. J'espère que vous nous entendez bien. J'espère que vous entendez bien le son du jeu. N'hésitez pas à nous le dire lors des premières secondes du live. Voilà, on est d'accord. Et on va directement y aller. Je pense qu'on est prêt. On enchaîne direct. On n'a pas le temps de miser. Attends, Team Arizona. On a évidemment la Team Arizona avec nous. Hashtag Team Arizona dans les commentaires. Du coup, c'est parti. Hop là, on va poser ça juste ici. On se met là. Franchement, j'ai trop envie de voir à quoi ça va ressembler. Du coup, est-ce que tu peux par contre lancer le jeu, s'il te plaît ? Non, tu ne peux pas. Très, très bien. Alors, par contre, si tu lances pas le jeu, mon pote, on va pas forcément sortir. Alors par contre, attendez, le jeu, il arrive. Le jeu, il a dit nope. Il a dit nope, c'est ça. Je l'enlève et je le relance. Yes, ça fait plaisir de voir que vous êtes tous là, que vous êtes tous super chauds les amis, ça fait super plaisir. Team Arizona, yes, ça fait plaisir. Oui, il sera rediffusé, bien entendu, il sera rediffusé. T'entends le son du jeu ? On baisse un petit peu parce que j'éclate les oreilles. Ça nous éclate les oreilles, d'accord. C'est bon, ça va ? Ça va. Ok. Et hey, franchement, je suis tellement motivé de ouf. Ça nous a éclaté les oreilles. Ok, Unreal Engine. Et nous y voilà. On a même un menu d'accueil. Un écran d'accueil. Ouh. C'est excellent. Avec le petit voisin. Genre, t'as la petite musique calme. Mais t'as quand même une petite note un peu chelou. Et t'as en plus une ombre. Ok, t'es prête. Je te laisse appuyer sur A. Let's go. C'est parti. J'ai plus deux fois. C'est une tag. Ok. On découvre ça. Allez. Oh, je suis content. Alors, c'est passionnant pour l'instant. C'est vraiment passionnant. Attends, ça va bien. On s'est fait arnaquer, tu sais. T'imagines, il n'y a pas de jeu. Fin du game. What? What? Ok, donc nous, on n'a pas de. Attends. What the fuck? What? Attends, allez. Si on commence comme ça, ça va pas le faire. Normalement, il y a une cinématique, me douillez pas ma cinématique, ok? Tout le monde me parle d'une cinématique depuis ce matin, je veux une cinématique, les gars, s'il vous plaît! Attendez, là-haut! On s'est fait arnaquer. Non, clairement, on s'est fait douiller la cinématique. On s'est clairement fait douiller la cinématique. Ah, acte 1, voilà, c'est bon, ça marche. C'est trop stylé. Donc, ça, c'est nous, est-ce que j'ai compris? Ah bon? Bah, je pense. Ou alors, c'est peut-être l'enfant disparu. Non, c'est lui, c'est nous. Non, c'est nous. Ouais. Yes, et là, du coup, on arrive ici. Ok. T'as vu, il y avait des avis de recherche. Il y a des avis de recherche, c'est exactement ce que j'allais dire. Seeming, c'est pas missing, normalement. Seeming. Qu'est-ce que c'est? Alors, il y a une petite fille et un petit garçon qui ont disparu. Ouais. Deux enfants. Mm-hmm. C'est sûr. Alors, la théorie, c'est quoi? Est-ce que c'est les enfants du voisin ou est-ce que c'est le voisin qui a enlevé ces deux enfants? Peut-être que le voisin a enlevé nos enfants. T'imagines? Attends. D'accord. Ah, yes, qu'est-ce qui va se passer? Oh oh. Hein? What? T'entends les cris? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Je suis sûr qu'il y a un... que c'est les enfants qui kidnappent! Je crois qu'il nous a cramé. Quoique, non, peut-être pas. Oh mec, moi jamais je m'approche, mais t'es fou. Si les enfants sont là, je Tu t'approcherais toi? Non. Moi je serais déjà parti très 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 loin. Mais voilà, mais on voit mettre quelqu'un. Je suis sûr que t'as les enfants. Putain, les enfants sont là. Non, regarde, il est triste, il pleure. Oh oh. Oh oh. Oh mec, je peux bouger. C'est fait exprès. Je peux pas bouger. C'est vénère. Mais la clé rouge. Oh, j'ai une idée. Quoi? J'ai une idée de fou. Genre sa femme elle est morte. Et comme peut-être que c'est un alcoolique. Un alcoolique direct. Un alcoolique direct. Et oh, genre en fait il a enfermé ses enfants parce qu'en fait il était triste.
Mais pourquoi est-ce qu'il enfermerait ses enfants? Bah je sais pas. C'est un peu chelou. Mais en vrai, chelou, mais ça peut être aussi genre par exemple, imagine, je sais pas, ses sa enfants sont morts et genre il a retrouvé le kidnappeur de ses enfants et du coup il vire son. Ou alors il kidnappe les enfants du kidnappeur. C'est... En vrai, il y a plein de trucs qui peuvent se passer. Du coup, voici notre maison. Alors là, les amis, c'est l'acte 1. Ça me rappelle du coup la toute première version de Hello Neighbor. C'est vraiment méga stylé. J'espère en tout cas que ça vous fait plaisir qu'on fasse ça avec Olivia parce que franchement, c'est cool. Et on a une maison de fou. Ouais. On a une maison du futur. C'est énorme. Papa et maman, ils sont pas là. De quoi? Papa et maman, ils sont pas là. Clairement. Clairement. Mais genre, t'imagines que c'est notre papa, maison maman, à nous. Papa, maman. Où êtes-vous? Là. Oh, sérieux, on est tout petit. Genre, on est vraiment tout petit. On arrive même pas à la. On est un enfant, c'est poignée. Normal. Ouais, on est un enfant, c'est normal. Du coup, regarde, on arrive même pas à l'évier, quoi. Mais on est un enfant, c'est normal. Mais ça fait de la peine quand même. Ok, donc ça, c'est notre petit endroit. Là, c'est où Harry Potter dort. Voilà, c'est la cage ou l'escalier. Hop, chemin le traverse. Hop, on va là. Notre chambre, elle est où d'après toi? Ici ou ici? Moi, je dis ici. Toi là? Ok. Et voilà, j'ai gagné. J'ai gagné, allez. The Family. On dirait des mi. Mais c'est ouais, des mi même. Mais, c'est, clair, c'est clairement des mi, c'est génial. Du coup, c'est on a cool. notre petite chambre, ok. Et ici, c'est. Y'a rien, hein. Y'a rien, et là, c'est la chambre de nos parents, je me doute. Oui. Yes. Par contre, c'est nos parents, ils sont pas là. Excellent. Par contre, nos parents ne sont pas là. Ceci n'est pas une moustache. Et bah, écoutez, les amis, c'est parti. On va tester d'aller vers le petit, la petite maison du voisin. Oh, attends, je suis perdu. La maison est trop grande. La maison est beaucoup trop grande. Ok, mais non, nous c'est y ici, voilà. La maison du voisin, tu vas pas. Yes. Yes, excuse-moi, t'as raison, d'accord. Alors, c'est parti. Ouais. On va voir un petit peu déjà où est-ce qu'il est. On entend toujours les enfants crier. Tu t'entends? Mais oui, je les ai entendus, mais ça fait. Je les ai pas entendus. Putain. Hop. Oh, wow. J'ai peur du coup. Ah, ça fait trop bizarre d'avoir une maison différente. Oh oh. Oh oh. Viens. Il est là? Mais t'as pas entendu? Oh t'es pas moi! T'es pas moi! T'es pas moi! C'est pas moi, papa! C'est pas moi! C'est pas moi, c'est pas moi, mec, c'est pas moi! T'as pas entendu comment il a fait? Il a fait. Ah, est-ce qu'il ronflait? Ah oui, il dormait dans la chambre! Attends. Alors par contre, bah, si je me rappelle bien, dans la première maison, est-ce qu'il fallait pas passer par cette fenêtre-là? Je crois qu'il fallait aller à l'étage parce que tout était bloqué en bas. Parce que là, en gros, si on regarde, on a l'espèce de salon qui est là, mais il y a la porte ici avec le cadenas rouge. Ici, on a absolument rien parce que c'est la cuisine. Nous voit. Là-bas, c'est la salle de bain. Et ici, c'est la chambre. Du coup, on a absolument rien à faire, en fait. Donc je pense qu'il faut directement passer à l'étage. Donc, on va tester. T'es prête? Oui. Enfin, tu t'es d'accord ou mais t'es non, je suis d'accord, oui. Alors, on passe là. Par contre, je peux pas. Attends, il me faut un objet. Il me faut un objet, une poubelle. Écoute, j'ai que ça. Hein, j'ai que ça. Non, mais j'ai peur. J'ai peur. Chaque par fois, contre, je me demande comment le petit il peut grimper. Ouais, comment le petit peut grimper avec la poubelle et oui. tout. Écoute, on est complètement d'accord. On est complètement d'accord. Commence pas à tomber. Excuse-moi, je fais ce que je peux. C'est pas, oui, c'est pas évident en vrai. Hein. Hop. Alors, du coup, je pose ça là. Comment je pose ça là? Comme ça. Ok, je monte sur la poubelle. Et yes, ça marche, ça marche. Du coup on passe par là, ça. Ok bon un petit peu. Je suis un peu on trop fort. Mais non, mec, laisse-moi faire mon truc là, s'il te plaît. On allait s'enjailler. En vrai c'est une bonne idée, hein. Je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Ouais. Je pense. Ok. Est-ce que par contre les amis vous entendez bien le son du jeu? Est-ce que vous entendez bien nos voix, etc., etc. Dites-moi les amis, dites-moi, dites-nous même. Dites-nous si tout se passe bien. Ça fait flipper. Oh ça va encore. Hein. Je trouve que tant, ouais. tant qu'il n'y a pas la nuit. Il y a pas la nuit. Quelqu'un qui a dit ça. Bah, tant qu'il n'y a pas la nuit, je trouve que ça va. T'en penses quoi, toi? Bon, ça va. Ok, ça passe. Je te l'ai dit, oh non, mais. 4. Il faut un truc pour casser la fenêtre. J'ai rien pour casser la fenêtre. Des nouilles. J'ai pas pris ça. Genre, des nouilles, ça va casser la fenêtre. Évidemment que ça va casser une fenêtre. Des nouilles, tu imagines des nouilles en béton. Oui, oui, ok, c'est mon nickel alors. Ça se passe oui. bien. Oui, c'est très bien. Tout ok, je suis content alors. C'est nickel. Tout se passe bien. Et bah, écoute, on va y aller. Est-ce que t'es prête, princesse? Ouais. Hop. Hop. Je me foire ou je me foire pas? Tu te foires pas. Je peux voir passer, bon. On passe par là ensuite et on casse ça. Hop, tu te fous de ma gueule là. Mais c'est pas possible! Mais non! Je t'avais dit que ça avait pas cassé. Mais en ce cas-là, tu veux comprendre quoi? Ça? Bah, le haut de la poubelle, imagine. Mais laisse-moi tranquille. C'est quoi, on va casser ça comme ça maintenant? Hop! J'ai même pas fait exprès! Je l'ai fait bugger? Non, je l'ai bugué! Moi, j'ai mis de tomates! Nous viennent pas de tomates! Mais mec, hein. Je l'ai tellement pas respecté. Ok, ok. Non, ça va se passer, ça va se passer, ça va le faire, ça va le faire. Ça va le faire. Tu peux partir chez toi, sniff, s'il te plaît. Sniff. Et il a cassé la fenêtre. Genre le mec est sorti, il a éclaté sa fenêtre pour venir, mais, quoi. T'étais pas au courant qu'il cassait tout sa fenêtre. Non, mais mec, il est beaucoup trop vénère. Allez, allez, allez. Oui, c'est bon, j'ai réussi. Ok.
ça passe, ça passe. Ah, ça passe. C'est bon. Par contre, il est extrêmement chiant, il est extrêmement chiant. Est-ce que tu peux me laisser tranquille, s'il te plaît? Il a fait. Allez, bouge. Allez, bouge. Mais j'en fais ton. Pas ton exercice ici, s'il te plaît, un peu de respect. C'est quand il veut. Non, c'est quand il veut. Vraiment, c'est quand il veut. Mais gros, t'es sérieux? Mais genre, tu fais ton exercice là, dégage. Ah. Exactement. Ok, c'est quoi, on tente? On tente? Oui, on tente. On tente quand même, on s'en fout. Au pire, il peut rien nous arriver. Juste qu'on va se casser un bras. Mais... Juste qu'on va se casser un bras, c'est ça. Bah, un bras ou deux, à la limite, ça passe. Ça passe. Ok, passe. On y est. On y est, on y est, on y est. Donc là. Ah, mais tu te rappelles de dans la chambre? Yes, il y avait un mur ici, non? Mais oui, et quand fallait, et on pouvait l'ouvrir quand yes, tu passais yes, par yes, la yes, t'as carrément raison. Du coup, alors, est-ce que c'est ça? Ouais. C'est ça. Donc, comment passer par la maison maintenant? On peut activer ça aussi. C'est quoi? Je sais pas du tout ce que ça fait. J'ai aucune idée, mais c'est ici. Je peux pas aller là-dedans par contre. Je peux pas regarder non plus à l'intérieur. Ok. Donc, ça a activé quoi? S'il imagine vous plaît, c'est monsieur. Un monstre, le truc qui t'a kidnappé. T'imagines? Petit quoi? Ah, d'accord. Faut aller. Ah, ah, ok, j'ai compris. Regarde, regarde, je viens de comprendre. À mon avis, faut passer comme ça. Comme ça. Et maintenant, on peut accéder ici. Mais j'ai encore rien pour casser. J'ai encore rien pour. Oh, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je rigolais, je rigolais, je rigolais, je rigolais. Je veux pas venir dans ta maison, je veux pas, je rigolais. Je prends ça. Ok. Et devine ce qu'il va falloir faire. Il va falloir. Casser la fenêtre. Casser la fenêtre rouge. Et normalement, dans la cinématique, c'est là où il y a la clé rouge pour atteindre, mademoiselle. La porte. La porte. Et derrière la porte, il y a quoi? Bah, les enfants. Exactement. Enfin, les enfants, peut-être, hein, on sait pas encore. Bah, on sait pas. Du coup, je vais peut-être essayer de casser ça à l'avance. Parce que, à tous les coups, j'ai réussi. J'ai, comment, je deviens bon à lancer quand même. On est d'accord, bah, je posterai la main. Bon, voilà, merci. Bonne affaire. Bonne affaire, exactement. Du coup, on va quand même récupérer un sac poubelle au cas où on devrait casser quelque chose. Je pense pas, mais au cas où. Hop. Et encore du coup, fois, on a Freedom. Ça casse quelque chose, on a... moi, je te le dis. Bah, on sait jamais. On a Freedom qui nous dit quelque chose. Je te laisse dire, princesse. Oui. Bonsoir, bonsoir Olivia et Sora. Comment ça va? Enfin, le week-end. Bonne chance avec le voisin. Yes. Merci. Merci beaucoup, Freedom. Merci beaucoup. Des bisous. Bisous. Ok. On y arrive ou pas? Ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Wouah. Ok. La clé rouge. Oui. Yes. Eh, on se démerde super bien, je trouve. Hein. Ouais. On enlève ça. Ça dégage. En fait, voilà. Là, je pense qu'en fait, c'est la première maison, donc ça va, c'est pas compliqué. Yeah, je suis d'accord avec toi. Bah oui, parce que c'est l'acte 1, au final, ça reste accessible. Il y a une clé dorée là, je la prends. Il voilà. Faut ouvrir la porte, la dorée là. Je regarde juste ce qu'il y a ici, il n'y a pas des trucs intéressants. Là, il y a une clé de voiture. On peut la prendre? Bah écoute, je prends. J'ai méga grosse, la clé de voiture, elle est énorme. Est-ce qu'il y a des trucs intéressants aussi là-bas? Non, je sais pas. Bah écoute, on va utiliser la clé dorée, qui est juste là. On l'utilise, on ouvre ça. Ah ok, ah, d'accord, bah, ouais. On revient là. Du coup on va pouvoir passer par là en soi. On tente ou pas? Je crois qu'il est devant la télé. Mais elle est où la porte? Il est là. C'est là en fait. Mais je crois qu'il est à l'intérieur. C'est un peu embêtant parce que c'est là où faut aller. Par contre est-ce qu'on peut juste... Mec s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Bah il était vraiment... J'ai ouvert le truc non? Oui t'as ouvert. Je crois que j'ai ouvert. Jette la clé. Bah attends, j'ai un mec qui bouge. Est-ce qu'il y a un truc là-dedans? Un aimant? Un aimant. Alors je sais absolument pas jette à la quoi clé de ça va. Jette chez ça, toi. Ouais, hop. Je sais absolument pas si ça me servir à quelque chose d'aimant. Non, par contre, ne jette pas. Peut-être que c'est pour... Non, 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 non. Reviens. Attends. Dépêche-toi, il va... Ah, il est là, il est là. Ok, c'est bon. T'attends. Maintenant, on a un bruitage qu'on utilise d'aimant. Ils ont vraiment fait plein de choses. C'est vraiment tout bête. Mais avant, on avait pas de bruitage. Avant, on avait rien du tout. Et maintenant, c'est grave rien. Cool. On était pauvres. On était pauvres, on avait que dalle. Alors que là, on a des trucs sympas, c'est cool. Mais du coup, par contre, l'aimant, il sert à quoi? Est-ce que l'aimant, on peut l'utiliser genre ici, par exemple? Ah non, ça sert à rien. Mais d'accord. Genre, ça sert vraiment à que dalle. Genre là, par exemple, je sais pas, non. Je sais pas du tout à quoi il peut servir pour l'instant. On va passer par là. Oh, il dort. T'entends? T'entends? Oui. Il dort. J'ai dit où il dort. Je sais pas où il est. Écoute, se barre d'ici. Yes! Yes! Ok, c'est bon, ça passe. On est direct. Eh, franchement, c'est bon. Là, on est bien. Là, on est bien. Oui, on est bien. On est directement dans la cave. Qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas. Mais c'est ce qu'on va savoir tout de suite. Et ça mérite un peu d'attention. Ok, let's go. Alors,
Les amis, je me concentre, on se concentre vraiment avec Olivia. On regarde un petit peu les messages que vous mettez, mais on essaye de pas trop parler, de bien se concentrer pour bien vous montrer un petit peu tout dans cette nouvelle version. Par contre, on fait quoi? C'est mignon, mais... Ah d'accord. Le mec est dans le futur. Le mec est clairement dans le futur. Okay. D'accord. Merci les amis, merci pour tous les GG. Oh. Mais tu vois, il y a un lit, mais c'est bizarre. Il y a un lit. Mais il y a deux enfants qui ont été enlevés. Donc pourquoi est-ce qu'il y aurait qu'un seul lit? Tu vois, c'est le kidnap. Ouais, oui, je le partage, je vais voir où c'est le kidnappeur. Je sais pas. Par contre, du coup, c'est mignon, mais... Attends, c'est une blague. C'est une blague. Mais what? Mais le mec est... Non mais les gars, s'il y a des énigmes partout comme ça... Les amis, on n'est pas tirés d'affaire, hein, c'est que le début, hein. Non, par contre, on va réactiver ça, on va réactiver ça, clairement. Je peux ouvrir ça. D'accord. Il y a plein d'endroits où aller, waouh, c'est dingue. Là, on peut pas y aller. Là, il n'y a pas de lampe torche, les amis, pour l'instant. Vous vous inquiétez pas, on voit tout autant mal que vous. Oui. Voilà, c'est pas français ce que j'ai dit, mais à peu de choses près, on y est presque. Oui, t'as détruit la langue française. Mais genre, t'es sérieuse? Genre, j'ai détruit la langue française, quoi, y'a plus de respect. Par contre, est-ce que du coup, on peut passer par là aussi? Y'a un autre endroit ici? Ou c'est pareil, la même chose? Non, ici on peut pas, c'était que là-bas, d'accord. Non. Rien. Donc, si commence à avoir des énigmes, ça va être chaud. Ouais, ça va être tendu. Donc là, on a quoi? Absolument rien. On a une télé. Voilà, ça fait plaisir. Là, on a rien du tout non plus. Là, il y a une lumière rouge. Il y a une lumière rouge. On n'aime pas les lumières rouges, nous. Là, il y a une lumière qui vient du futur. Concrètement, là, à ce qui paraît, il y a une légende qui dit que si tu vas là-dedans, tu vas Narnia. C'est une légende, hein, mais écoute, tu sais comment sont les légendes. Hein. C'est faux. Du coup, où est-ce qu'on va maintenant? Il y a une porte là. Oh. Une chaussure. Une chaussure d'enfant. C'est vraiment bizarre cet endroit. Hein. C'est vraiment bizarre. On ouvre ça, comme ça, on arrive ici. Ici, il y a quoi? Il y a encore une autre chaise. Mais c'est quoi ce bordel? Et on revient là. Donc là, c'est une porte qu'on pouvait pas, ou à laquelle on pouvait pas accéder avant. Ici, du coup, il n'y a pas spécialement de truc auquel on peut activer. Ça, non, ça, non. La baignoire, on pourrait en soi, mais je sais pas à quoi ça sert pour l'instant. C'est tellement bien de découvrir une nouvelle version des Neighbor, de voir toutes les nouveautés et tout, c'est génial. D'accord, donc là ça revient. Ok, on a un petit peu tourné en rond, donc c'est pas par. Il y avait un mannequin. Oh, j'aime pas les mannequins, j'aime pas les mannequins. D'accord, donc là, il y a une grille. Encore une lumière rouge. Oh, encore une lumière rouge. Encore une. Il y a un mannequin. Ouh, il me fait peur. C'est ou pas, tu crois? Tu dégages, toi. Hein. Tu te casses, hein. On peut ouvrir ça. D'accord. Là, j'ai cru porte. Qu'il y avait la fille qu'on avait vue là, tu sais, dans le. Ouais, une espèce de fille noire démoniaque là. Oui, elle me dégoûte, faut pas qu'on la touche, hein. Faut pas qu'on la trouve. Hein. Par contre, là il y a la sortie, tu vois. On peut sortir. Sauf que, il faut qu'on active le courant. Donc là, il y a une chaise. On vire ça. Allez, on peut passer par là. Là, il y a quoi ici? Je vois rien. Il n'y a pas une lampe torche, les potes. Une lampe torche. Par contre, ça. Est-ce qu'on peut pas? C'est une idée, hein. C'est une idée. J'ai peut-être une idée. Genre, si je fais ça. Comme ça. Attends. J'ai une idée du futur. Si ça marche, je suis un génie, ok? Si je mets de là comme ça, je fais ça. D'accord. Attends. J'y crois encore. J'y crois encore. Si je fais ça. Allez! Allez, tombe. Voilà. Si je fais ça. Je peux pas. Oui! Oh, je suis un génie, hein. Je suis clairement génie, hein. Clairement, c'est le génie du futur. Par contre, du coup, hop. Mais du coup, oui! Du coup, on peut s'échapper! Je pense. Mais comment, par contre, je peux partir d'ici? Parce que là, je suis bloqué, du coup. Là, si je touche ça, je meurs. Non. Bon, bah, on va le toucher, c'est normal. Ouais, mais comment est-ce que je passe par là, en fait? Mais comment t'as un truc là! Attends, tourne. Où ça? Ça? Bah, tu peux grimper sur ça. Ah, ouais, on va tester. J'espère, parce que sinon, on est bloqué, en fait. Yes. Non, yes. Ah attends, est-ce qu'on peut pas le récupérer? Si, on peut le prendre. Au calme, vraiment le gamin, au calme, il récupère ça. Et je peux recommencer. Ça aura le génie. Wow, doucement, non, stop là, tu bloques pas. Tu commences pas. On fait ça comme ça, on le pousse comme tout à l'heure. Allez. Non, c'est l'autre côté, l'autre côté. Si je le pose comme ça. Voilà, hop, allez tombe. Yes. Et on saute. Non, t'aurais dû le mettre ouais, un peu plus. Il est trop penché, ouais, t'as raison. On le fout là. Attends, peut-être que dans le coin, en soi, ça peut marcher. Allez, viens. Allez, tombe.
Alors tu sais quoi, on va prendre un objet, on va carrément le lancer dessus, ok? Ça me paraît un peu plus simple. Genre là on pose ça comme ça. On va prendre un objet que je vois absolument rien. Je vois absolument rien de ce que je fais. C'est hallucinant. C'est incroyable. Non mais je pense que c'est la solution hein. Du coup on pose ça comme ça. Non mais... Oh! T'es chiant! Voilà, c'est bon. Là ça passe je pense. Absolument pas! Ou pas! Ou pas! Allez! S'il te plaît, laisse-moi sortir! Attends, je peux le pousser. Voilà. Ah là, là, si ça passe pas. Allez, allez mon pote, allez mon pote. Allez mon. Mon pote. Et. Non, non. Arrête! Non. Arrête! Mais il va arrêter de glisser! Allez! Yes, c'est bon, ok. Et là. Yes! On s'en va. Futur! Oh, 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 oh. Oh, oh, merde! Quoi? Genre! C'est, c'est énorme, le jeu est génial. C'est énorme. C'est une blague. C'est une blague. Je fais quoi? Je fais quoi? Je fais quoi? C'est une blague? T'es d'accord? Je sais pas, c'était normal. J'avais pas, on est non. D'accord que je pouvais pas faire autrement. Ben non, je pouvais pas. Waouh. J'ai pas compris. Non, non. Acte 2, ah ouais. Oh cool. Ça part sur un acte oh, 2. Donc on a réussi. Par contre on s'est fait douiller. On s'est fait douiller violemment. Genre typiquement, déjà, mais c'est quoi ces genoux déjà? Ah ouais, on est en sang et tout, mais... Yeah. Les amis, c'est dingue, c'est dingue. Il nous a détruit quoi. Il nous a éclaté. Par contre, frère, par contre, frère... Tu peux venir nous faire... Par contre, on est d'accord que là, il y a un autre trompe-l'œil. Enfin, on n'a pas le choix. Il y a bien un truc à faire. Regarde, il y en a un autre. C'est pour faire quelque chose. Gros, je suis censé faire quoi? Je suis censé faire quoi? Ah d'accord, tiens. En fait, je vais ouvrir la porte en fait. Très bien. Ok, j'ouvre la porte. C'est bon. On va récupérer des munitions. D'accord, je peux rien prendre en fait. J'ai l'impression que je peux rien prendre. Je peux rien prendre. J'ai pas d'inventaire, oh, tu vois. Poupée. J'ai pas d'inventaire. Une poupée. Il y a plein de trucs bizarres hein. Là. Ok, ah si j'ai un inventaire, ok j'ai un inventaire. Donc c'est juste que je peux pas prendre ce truc là. Je peux pas. Alors juste du coup on va pas par là. Je pense que... Ah si il y avait vraiment un trompe-l'œil. Je pouvais vraiment passer par là. Ah non je pouvais pas le toucher, d'accord. Et bah écoute c'est parti. C'est vraiment flippant cet endroit. Hein. Mais c'est quoi cette cave du futur? Oh, on est sorti, je crois. Yes! Ah, mais oui! Oh, le pauvre, il s'est fait défigurer. Ouais, j'avoue qu'il s'est fait éclater l'enfant. Par contre, la maison a changé. Par contre, ça, c'est violent. La c'est, maison, je dis que c'est puni par la loi de frapper un enfant. Oui, bah c'est un peu, oui, c'est un peu illégal, on passe mytho. Regarde ça! Mais ils s'en foutent en fait. La maison a totalement changé. Waouh, alors ça, par contre, on l'a jamais eu. Non, on l'a jamais eu ça. Genre, le mec, il s'est dit: bon, écoute, bon, je vais capturer les quelqu'un. Gars, Luxe, on va se faire une forteresse les potes. Ouais mais je suis fait de poser hein. Ah mais clairement le mec est vraiment tranquille. Merde. Il est là. Ok ok. On prend l'échelle, on prend l'échelle, on prend l'échelle. Ok ça passe. Je sais pas quoi. Ouais j'ai arrêté mes battements. Je pense que moi aussi j'ai raté un autre battement. Clairement. Par contre je sais pas où on doit aller. Mais je sais pas où on doit aller. Là. Il y a des trucs intéressants. Là. Attends. Non, je suis tombé. Non, attends. Yes, on n'entend pas. Carrément. Hop. Par contre, je sais pas du tout ce qu'on doit faire. Je sais pas ce qu'il fait, où on mec, doit aller. Il y a tellement. La maison est vachement grande. Quoique, non, c'est la même en fait. Non, c'est la même. Mais ah, c'est juste le mec qui a mis son canapé, d'accord. Le mec a plus de respect, il n'y a plus aucune limite. Mais tu passes, penses qu'on peut pas passer par là? Je sais pas du tout. Non, je pense pas. Je pense qu'il doit y avoir un autre. What the fuck? Mais what? Mais comment on va faire ça? Il est trop mignon lui. Ok. L'acte 2 va être un peu plus compliqué, je pense. Je sens que l'acte 2 va être un peu plus compliqué. Je sens très bien. Du coup, on va prendre le ballon de basket histoire d'avoir quelque chose sur nous. Hop. Ah, mais on peut casser ça. Je crois qu'ils se sont dit: bon, écoute, on a été trop gentils sur l'acte 1. C'est ça quoi. Du coup, on va se rattraper. Par contre, là, à mon avis, il va pas être content. À mon avis. Par contre, je peux pas y aller? Je peux pas? Tu peux pas prendre un carton? Ah, je peux pas maintenant, je peux plus faire ça. Faut que je prenne un carton parce qu'avant, tu sais, il y avait. L'animation. Il est où? 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 Il est où?
Je l'entends, mais il est où? Tu l'entends? Non, oui, je l'entends, mais moi je le vois pas. Mais gros! T'as pas le droit de faire ça! Laisse-toi tranquille! L'échelle, l'échelle. D'accord, donc le mec est vraiment dans le futur. Le mec est vraiment dans le futur, c'est excellent, d'accord. On revient à notre position de départ. On revient à la position de départ. Mais je suis bête, je lui fonce dessus, moi. Moi je lui fonce dessus, moi j'ai pas le temps, hein. J'ai carrément pas le temps. Par contre, ici on a dit qu'on pouvait pas y aller. Prends le carton. J'ai trop de chance. J'ai eu beaucoup trop de chance. Oui, t'as eu de la chance. J'ai eu beaucoup trop de chance. Là, on pourrait passer dans cette cuisine, donc là ça sert à rien. Oh, ok. Genre, je suis là, quoi. Où est-ce qu'on a cassé la vitre, en fait? C'est là-bas, mais là, le truc, c'est qu'il est ici, en fait, non? Non. C'est ici. Ah non, il est pas ici. Non, mais là, il a cassé par là ou pas? Il est passé. Cache-toi sous le lit. Sous le lit. Cache-toi! Ok. Ça passe ou pas? Je sais pas. Ok, ça passe. Hop. Ça va, il parle fort. Oh! Très bien. Tu veux pas aller dire à papa de parler moins fort? S'il te plaît? Merci. Parce que là, il est mignon, mais voilà. Et tu peux le balayer aussi. Non, évite de balayer quand même. Mais d'accord. Non, mais... évite quand même. Bon, on va quand même éviter. Bon, toi, tu me dis juste de parler moins fort. Papa! Bah, mais dis-le discrètement! Dis-le discrètement! Allô, calme! Merci, princesse. Désolé, c'était un petit moment. Exactement. C'est les aléas du direct. Il est là ou pas? T'aurais pas l'écouteur? Attends, je vais me remettre. Par contre, il sait pas où il est du coup. Oh, d'accord, très bien. Il est là. Il nous a vu? Non, il nous a pas vu. Et il a mis une caméra. Oh non, il est chiant. Il est chiant. Ils sont en couple, mais vous foutez de ma gueule ou... Non mais, les gars, s'il vous plaît. Non mais, à un moment, avant de dire des conneries, genre, réfléchis. Ah mais non. Deux secondes, quoi. Mais non, mais il y a un jeu où, genre, ils étaient ensemble. Non, mais là, ils parlent de nous deux, là. Ah. Non mais, frère, c'est ma sœur. J'ai 22 ans, elle en a 11. Ah. T'es pas tranquille. Oh, il y a une lampe torche et tout, genre, on va poser. Il est dessus ou pas? Par contre, il lâche vraiment l'affaire vachement plus rapidement. On est d'accord. Hein? Ouais. Aide-moi un petit peu, toi, je suis perdu, moi. Mais je sais pas comment faire. Si. Mais il est relou! Laisse-moi tranquille! Bon, essaye, va dire. Le truc, c'est que toutes les autres portes sont fermées. Essaye de. C'est quoi, c'est une lampe torche? Non. C'est une tasse. Une tasse bizarre. Di. Non! Non! Laisse-nous tranquille! Allez, on peut le semer. Oh, ok! Est-ce qu'il y a monté aux échelles ou pas? On a toujours nos vieilles chaussettes dégueulasses. Mais aussi, on s'est fait défigurer. Bah, c'est ça, en plus, on s'est fait éclater en deux. Par contre, du coup, je sais absolument pas où aller. En fait, je pense. Il y a encore un truc ici, il est en bas ou pas? J'aimerais bien accéder à la salle, ou que j'essaie d'accéder depuis le début en fait, mais j'y arrive pas parce qu'il est devant, il est relou. Mais genre, cette salle là, on va prendre ça aussi. Comme ça, je jette dessus s'il m'énerve. Genre, là, voilà. J'ai rien, il est là, en fait. Genre, voilà. Ça s'ouvre. Et bah, enfin. Qu'est-ce que je peux faire avec ça, moi? Qu'est-ce qu'on va faire? Il y a un truc à faire, on est d'accord. Ah, voilà. Ok. Du coup, c'est Alban Racinet qui me dit quelque chose. Alors, attends, hop. Coucou, ça va? Hop, bon hop. Bah ça va. Écoute, ça va, oui, ça va très très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup Alban, ça va super. Posez. Du coup, on a activé un truc, princesse. On a activé le radiateur. Oui, donc ça veut dire qu'il fait chaud, non? Ça veut dire qu'il fait chaud. Mais on a fait quoi en soi? Enfin, je veux dire, on a d'accord, mais non, ça ne sert à quoi? On n'a rien fait. Oh, il a mis des pièges, quel relou. Ok, on a cassé la caméra. Oh, on est mal. Il est où? Angel ou un don maudit qui nous fait un petit don maudit, genre elle a retenu, t'as retenu, c'est cool. Elle a retenu le petit don maudit, Lydia. Il est où? Il est là-bas. Ok, donc là ce qu'on a fait, c'est qu'on a déjà activé le radiateur. Donc ça a forcément activé quelque chose, on est bien d'accord. Mais quoi maintenant? Par contre, ça c'est quoi? Ouais, j'aimerais bien savoir pourquoi les dons. Ah, regarde, ils appellent les dons maudits. Bah, je sais pas, parce qu'en fait on peut pas faire de don. En fait, quand tu fais un don maudit, tu peux pas parler. Ah.
Et du coup, je suis grave triste, donc c'est un don maudit. Il en faut pas beaucoup. Hein. Par contre, regarde, tu vois, genre là, derrière, il y a un trampoline qui nous permettrait de partir d'ici en fait. Donc l'objectif, je pense que c'est d'aller là-bas. Oui, mais comment tu veux que je fasse ? C'est une très bonne question. C'est une très très bonne question. Je me la pose également. Par contre, du coup, maintenant qu'on a fait le truc du radiateur, qu'est-ce qu'on a changé en fait ? Bah rien. On peut suivre le tuyau. D'accord, il est toujours là. Il nous a vu, je crois. Il nous a vu. Il nous a vu ! Il nous a vu ! Les amis, si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas à nous le dire dans le chat. Mais pour l'instant, je sèche un peu. Je ne sais pas trop. Hop, non, je vais me faire avoir. Ok, ça, ça par exemple. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec ça ? Ok, what the fuck ? What the fuck ? Remonter ! Je sais pas du tout ce que je fais ! Non, non, non ! Non ! Ok, bon, au moins on sait qu'on peut monter à l'étage, ok ? Donc ça on peut skipper. Par contre, la question que je me pose c'est est-ce que on recommence tout ? On doit réactiver ? Non, on peut pas réactiver. Ok, on retourne quand même à l'endroit où on était. C'est un bon point. Ok ? On casse ça. On passe par là. On passe par là, j'ai dit. Ok. Oh merde, il est là. Mais mec, t'es chiant ! T'es relou ! T'es relou ! Non ! Viens, on le balaye ça. Viens, on le balaye. Oui, on le balaye sur 3 générations. On fait la baillette des trois. Exactement. Oh, oh ! Attends ! Ouh ! On l'avait pas vu ça ! Non, ça ouvre pas ! Ça ouvre la porte grise ! Attends. Wow. Bah, du coup, comme ça, on est bien. Oh, on a une lampe torche. On court, on court. On se cache là, on se cache là. Allez, vite, cache-toi, cache-toi. C'est bon, quoi. C'est bon ou pas? Déjà, on a un raccourci. C'est pas. Ok? C'est pas négligeable, d'accord? On rappelle les amis qu'on est à l'acte 2. On est à l'acte 2, le chapitre 2 en gros. Et que c'est vraiment cool. Ok, on sort. J'ai une lampe. Par contre, ma gueule, s'il te plaît, tu la gardes. Ah, moi aussi, j'avoue que moi aussi, j'ai une impression. Par contre, s'il te plaît, voilà. C'est quoi ça? Oh! Non, mais on peut pas, c'est pas une clé, on n'a pas une clé blanche. C'est quoi ça? Une guitare, on s'en fout. Je pense qu'il faut. Là, ça devient intéressant. Bah écoute, on va monter. Waouh! On va monter tout en haut. Wow. Et tout en haut, on a une autre clé. Yes! On prend. Il y a un mur chelou, hein. Ouais. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Enfin, c'est bon, arrête, hein. Me sors pas que tu vas monter, t'es pas monté. Donc arrête de mytho. Oh putain, c'est pas possible. Tu l'as vu? Un requin! What the fuck? Oh, mais je sais ce qu'il faut faire pour le requin! Il faut faire quoi? Faut réactiver le froid parce que ça va geler l'eau! Donc en fait, on l'a désactivé pour rien en fait! Oui! Donc ça a fondu! Super! Donc le truc génial. Est. Faut qu'on... Donc faut qu'on le réactive! Super! En oui. Plaisir! Du coup, là par contre, juste ici, y'a quoi? Y'a pas la clé blanche? Je sais pas! Parce que là, clairement, on n'est jamais vu ici! Non! Là. Waouh, il y a tellement de choses à faire, c'est dingue. Je peux passer par là? Non, je peux pas. On peut passer par là, c'est bien, mais du coup, est-ce qu'on peut ouvrir ça? Il y a quelque chose à faire? Genre, on peut. Mais non, toi, on est bloqué ici. Mais d'accord, ouais. Ça sert à rien. Pourquoi est-ce que les amis, on nous met ici si au final, on peut rien faire? C'est une bonne question, ça, on est d'accord? Oui, mais on peut rien casser. Bah, yes. Du coup, là. Peut-être ça? On peut se mettre. Genre. Sur le toit. Mais mec, t'es sérieux? Attends. Il peut monter aux échelles. Genre, est-ce que je peux mettre sur là? J'ai rien à me mettre sur là. Est-ce que je peux par exemple prendre ça et jeter là-dessus? D'accord, donc ça veut dire non, clairement. Ça. Non aussi. Ok, très bien. Donc ça veut dire non aussi. La clé, je regarde la clé. La lampe torche, faut la lampe torche en fait. C'est la lampe torche que je veux! Elle est la lampe torche, je veux dire. Je sais pas, tu l'as jeté où? Je la vois pas, je la vois pas. Et il va nous attraper. Il va nous choper. Pourquoi j'ai une lampe torche? La lampe torche. Mais c'est pas possible, mais y'a que moi pour la jeter en fait. Viens, je peux pas la lampe torche, c'est une blague. Aussi, je vois pas où elle est. Là. Nous fais plus jamais ça, toi. Lâcher. Ouais, c'est bon, là je lâche plus, reste avec moi. Ok. Les amis, franchement, je trouve qu'on avance bien. Donc, Olivia, tu m'as dit qu'il fallait recasser ça. Oui, il faut le remettre en froid. Bah, comme écoute, ça va geler l'eau. C'est ça. On court, on saute. Faut mettre. Mais faut mettre un carton. C'est relou. Hop, on pose ça là. Voilà. Hop. Yes, Julie. Bon, peut-être que ça marchera si c'est toi qui le dis. Arrêtez les emojis. On va finir par ban définitivement. Le dis. C'est horrible. Oh, yes.
Merci beaucoup Julie. Bah écoutez les amis, écoutez Julie, si elle le dit, c'est vraiment pour notre bien. C'est pour que ça se passe bien. Donc s'il vous plaît, mettez pas trop d'émojis. Mettez-en 2, 3. Le maximum c'est 3. C'est ça. Bon, c'est pas grave. Mettez-en 3 maximum. Mais après, arrêtez-vous les amis, parce que ça fait vraiment trop après. C'est trop et ça gâche vraiment vraiment le chat. Donc s'il vous plaît, soyez gentils et écoutez un peu Julie s'il vous plaît les amis. Là, je vous le demande gentiment. Oh non, je suis pas là. Je suis pas là. Je suis pas là. Je ne suis pas là. Ça marche, ça a marché. Ça a marché. Non. Je reste ici. Je crois que ça peut fonctionner. Frère, lâche la paire. Sinon, à part ça, merci beaucoup, Julie. Ou alors. Bon, j'ai compris, elle dit bien. Bien, bien. Voilà, bien, t'es content, voilà, nickel. Par contre, j'ai une mauvaise nouvelle. J'ai perdu avant. What? Quoi? What? Qu'est-ce que c'est? The fuck? Mais quel. Mais le jeu, il a pété un plomb! Mais what? C'est sérieux? Bon, maintenant, Julie, si des gens mettent plus de 4-5 smileys, tu bannes définitivement. Là, clairement, j'ai prévenu, si maintenant je ne respecte pas, tu peux bannes définitivement. Yes, tu peux, t'as l'ordre 66. Ok, par contre, on est vraiment dans une maison hantée en fait là. Yeah, mais c'est génial! Mais le jeu, les amis, est énorme! On est dans une espèce de train fantôme. Hey, on n'est pas le même! Est-ce qu'on aurait grandi du coup en fait? Entre l'acte 1 et l'acte 2? Ouais. Ah non, regarde, on a pas d'autre jeu de trouée. Mais da fuck. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je sens que ça va finir par une descente, mais... Ouais, je pense que là, on va faire Space Mountain, ça va être le futur. Ou non, Roller Coaster. Yes. Je déteste ça, je déteste les sensations fortes. Je suis jamais allé, mais j'aimerais bien le tester. Ah mais toi, t'aimes bien les sensations fortes. Moi, je déteste ça, j'ai trop peur. Non, moi, j'ai pas peur. D'ailleurs, les amis, si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Ça ferait plaisir, on va faire d'autres lives Hello Neighbor. Il y aura plein de trucs, donc n'hésitez pas à vous abonner. C'est la fille disparue. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. D'accord. What the fuck. Et on est revenu à notre corps. Mec, je viens d'arriver, s'il te plaît. Donc là, attends, juste. On a quand même tout débloqué, on est d'accord? Oui. Et on a remis le froid. Donc là, techniquement, on passe. Si je fais ça. Oui. Je fais ça, yes. Je vais arriver avec ça, toi. Non, fais pas. Mais vite. Il va venir. Comme ça. On se barre. Vous avez vu ou pas du froid? Non, mais dépêche-toi. Ouais, il va venir, je pense. Hein. Oh, la caméra. Alors ça c'est chiant. Ça c'est chiant. On ferme ça. Et on va passer tout en haut. Ok, c'est ici que tu mets. Mais non, regarde. Mais ta maman, je comprends pas quand on mettait froid, il gèle. Ouais, on a gelé pourtant, on est d'accord. Ça, ok. Putain, j'ai perdu la lampe torche, ça me saoule. J'ai perdu la lampe torche. Je suis deg. Il y a des trucs un peu bizarres ici. Hein. Il y avait une... Oh, nickel. Une autre lampe torche, c'est cool. Hop, voilà, là on est bien. On est très très bien. Ferme ça s'il te plaît. Merci. Ok, c'est bon. Par contre, il y a vraiment des bruits chelous. Ok. Maintenant, on va revenir par là. Par contre, le truc, Olivia, que je me pose comme question, c'est du coup, comment est-ce qu'on gèle ce fucking. Oh. Bah, j'ai. Je sais pas. Par contre, juste. D'accord. Donc, ça veut vraiment dire non, hein. Clairement, ça veut dire Maxime, on se fout de ta gueule. Ok, c'est bon. Il est là. Et là, il nous a capté, je crois qu'il nous a capté. On va juste prendre ça. Ok. Mais du coup, maintenant, en fait, le truc, c'est que là, on est bloqué, en fait. On fait quoi maintenant? Mais je sais pas. Parce que là... Ah, attends... On va finir. Ah, mais attends, ça... Regarde. On peut faire un truc avec, on est d'accord? Mais oui. Attends, il faut des caisses. Genre ça... Prends ça. On est d'accord qu'il y avait un truc pour pouvoir appuyer dessus. Oui. Hop. Je monte dessus. Pourquoi? Je peux rien faire avec. Hé, il y a un bouton d'action. Fais quelque chose.
Attends, j'ai une idée. Parce que ça, on l'a pas fait. Ça, si on casse ça, le chauffage il marche plus. Ah ouais. Ah ah. Est-ce que j'aurais trouvé la solution? Je pense que tu as trouvé la solution, Charlotte. Eh ben, j'espère que tu as raison d'espérer que j'ai raison, Watson. Ok, go. Hop, on passe par là. Oh, oh. Cache-toi, cache-toi. C'est embêtant. C'est... Oh, mauvais, parce qu'en fait, c'est pour qu'il fasse jour. Pour qu'il fasse... c'est pour qu'il fasse jour. Par contre, il n'y a pas de porte, en fait, d'ici. Du coup, on vient, mais il n'y a pas de porte, on est d'accord. Bah ouais. Oh. Ah. Faut dévisser. Tu crois qu'on peut de l'autre côté? Attends. Non, faut un non il faut la clé. Il faut la clé à le truc là. La clé à molette. D'accord, la clé à molette, d'accord. Et nous on l'avait pas. Très très bien. Très très bien, donc c'est embêtant. On sait pas où elle est. On sait pas où elle est. Et ça sert à quoi? Non, je fais pas ça. Bah si, t'as bien servi à quelque chose. Mais imagine ça d'exact. Ok, on se barre d'ici. Non. Je voulais pas venir, je rigolais. C'était une blague, c'est un prank. Ah. C'est un prank. Laisse pause bleu. Oh, t'as pas d'humour. Hein. Exactement. Donc du coup. C'est un prank. Prank, bro. It's prank, hop. Par contre, ça c'est chiant. Mais non, mais t'es sérieux, mais mec, mais t'es. Il s'est bloqué par son piège tout seul en fait. Ah. Très très bien. Bah tant mieux, ça nous a rendu. Waouh. Non. Mais d'où tu fais des trucs du futur comme ça? Oh. Mais le mec est trop fort, les amis. Le mec est grave. Invincible. Fort. C'est hallucinant. Ok, donc là, dans tous les cas, je m'en fiche, je veux remonter. Tu te fous de ma gueule là, c'est bon. Mais s'il te plaît, respecte-moi. Aïe. Ok, en sautant. Mec, le mec ne lâche rien. Yo. Il est plus coriace. Monte à l'échelle. Oui. Ça veut dire clairement, là il s'est assis sur moi. Hein, il s'est assis sur moi, il a dit écoute, Sora, je ne te respecte pas. Meurs. J'ai toujours que s'il ressort de l'autre côté. Mais c'est pas possible! Mais mec! Mais sérieux! Mais gros, mais arrête! Arrête, tu me fais du mal! Non mais mec, là ça va, mais là, peu importe où je vais en fait, je vais à droite, il est à droite, je vais à gauche, il est à gauche, je vais tout droit, il est tout droit. Moi, respecte-moi. Minimum, juste un tout petit peu, je te demande tout petit peu. Usain Bolt, hein. C'est clairement le fils d'Usain Bolt. Hein. On tente quoi? On tente là-bas ou on tente là? On tente là? Non. Il va venir. Je te dis qu'il va venir. Il est là, c'est une blague. Attends. Du coup maintenant, on va. Attends, c'est quoi? Regarde. J'ai un plan. Vas-y, viens. Viens gros, viens. Et là tu viens pas par contre. Bah bien sûr. Ça on peut rien faire avec. On peut rien faire. D'accord, donc là maintenant on fait quoi? Mais c'est une blague, c'est un sketch en fait. En fait, c'est un sketch ce jeu, c'est pas possible. C'est juste un homme, Je suis le ski. Balayez-le, s'il vous plaît, parce que là, je ne comprends pas. Ah, en fait, c'est quoi, on va faire un truc comme ça. Voilà, comme ça. Voilà, hop là, je te passe ça. Du coup, je vais venir. Et moi, je passe de l'autre côté, ok. Là, ça marche pas, je comprends pas. Ça marche pas, c'est comme ça que c'est un génie. Possible. Mais mec, on fait quoi? On fait, les amis, je peux rire, on fait quoi là? On fait quoi? Tu mérites une claque. Exactement. C'est une blague. Il mérite quoi? une claque de famille. Il a mis une planche. Mais tu te fous de ma gueule. Mais tu te fous de qui? Mon cœur, il est pas bien. Là, je suis pas bien. C'est bon, ouais. C'est bon. Allez. Oh, on est pas allé par là. Ouh. Ouh. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Ça ne sert absolument à rien ce que je viens de faire. Donc, on peut remonter. Mec, je te jure que s'il arrive. Là, par contre, je perfore l'humanité. Là, concrètement, à un moment, faut arrêter les conneries. Faudrait qu'on aille chercher sur internet. Bah, oh non, parce que le jeu vient de sortir. Donc, tu trouveras rien. Le jeu vient de sortir. Alors, attends. On passe par là. Bah, je sais que j'ai envie de tricher, mais aussi comprenez. Non, mais t'inquiète, je pense qu'on a tous envie de savoir comment ça marche. Attends, par contre. Non, mais...
Non mais arrête, t'as jeté cette lampe, arrête. Mais c'est toi qui la jette aussi. C'est faux. C'est faux. Ok, ça passe. Tu fais pas un petit peu de noix quand même. Non, vite fait. Un petit peu. S'il te plaît, au moins laisse-moi sortir d'ici quoi. Je savais, quand j'ai sauté là-dedans, je me suis dit, ça sent la merde. Et bah oui, concrètement oui, hein, c'est vrai, ça sent la merde. Hop, on saute là. La clé grise. La clé grise? Bon, on l'a déjà utilisé la clé grise. Mmh. Non, on l'a pas déjà utilisé. Éteins la lampe, il te verra pas. Il faut pas casser la vitre. Éteins la lampe, torche, ça te fait repérer. Ok, bah je l'éteins les amis, je l'éteins. Ok, c'est bon, je suis sorti. Non mais c'est une blague. Non mais c'est une blague. Mais gros. Réellement. Mais les amis, il me traque à mon avis, il m'a tiré dessus. J'ai un petit mouchard sur moi. Et voilà. Princesse par contre là, ça. Oui. Comment on y va? Sherlock, je ne sais pas. Bah moi non plus Watson, moi non plus. C'est un problème. C'est un problème. Par contre du coup on fait comment? Parce qu'il faut qu'on aille là. On fait quoi? Concrètement, on fait quoi? Mais Ah, c'est embêtant ça. Ici, je pense qu'on devrait y accéder, mais je sais pas par où. On va faire un peu mal là-bas. C'est ça quoi? Il y a un truc caché là, genre? Tu vas arriver. Sherlock, il n'y a pas. Mais. Une chose. Moi, j'ai rien. Sherlock? En fait, il faudrait qu'on aille là-bas. Sherlock. On fait quoi? Don maudit! Il y a un don maudit de Lady Lou! Coucou! Lady Lou! Coucou Lady Lou! Ça par contre, j'aimerais bien savoir comment mais faire! C'est, la cri... c'est pas la clé grise? Eh ah, mais on l'a pas! Elle est où la clé grise? Ou alors c'est une clé blanche! Il arrive? Il est où? Il est en bas ou? En bas! Je sais pas! Non, je suis pas sûr! En haut, je pense! Non, mais c'est une blague! Mais j'ai enlevé! Ok, oh il est vénère. Wow, il est vénère. Ok. Oh, par contre tu te fous de la gueule un petit peu, hein, on va pas se pito. Ça, comment je casse ça? Comme ça? Ok, ça. C'est problématique les amis. Il nous manque un truc. Il nous manque un truc pour résoudre l'énigme, mais je sais pas quoi. Non, ça pourra rien trouver. Qu'est-ce qui manque? Il nous manque une clé. Donc ça. Y a pas de clé, on est d'accord? Non. Ça. Y aura une clé là-dedans. Pas de clé, rien du tout que dalle. Hop, que dalle. Ça. Y'a rien. On s'en bat clairement les steaks. Ici. Bah y'a rien, on y est déjà allé. Donc faut faire quoi? Les amis, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que ça a un rapport avec la maison de la bêta 2. Du coup. Mais. Non mais c'est une blague, c'est bon, arrête non? Oh putain, c'est pas possible. Ça passe. Hop, ok. Là maintenant, on fait quoi? Parce que ici ça sert absolument à rien. Ici on est d'accord, ça a que dalle. Là il y a un écrou mais il est derrière donc ça sert à rien. Là, princesse, ça sert à rien non plus. C'est une blague. T'as pas le droit. Hein. Clairement là t'as pas le droit. Tu peux pas. Là je suis perché. Je suis perché. T'as pas le droit. Il va grimper. Et s'il peut grimper, ok, c'est bon, nickel. Par contre, ça, comment est-ce qu'on va là? Les plans, en fait, il faut trouver un pied de biche, je pense. Enfin, si, un pied de biche, c'est ça? Oui, je sais ça. Ouais, mais on fait quoi maintenant? Attends. Est-ce que ce serait ça qu'il fallait faire? Ouais. Faudrait aller chez nous, je pense, non? Je sais pas. Est-ce que, les amis, c'est ça qu'il fallait faire ou pas? Est-ce qu'il faudrait que je passe par là? Va où tu as dehors, peut-être que c'est ça. Il faut détruire les radiateurs. Comment je les détruis, les radiateurs? Je les casse comment, les radiateurs, les amis? Les kikés, les kikés, je les déteste. Mais non, je déteste personne, moi. Attends, si on passe par là, on passe par là, on passe par là encore. Hop, par ici. Ils te disent tous oui de passer par là. Bah ça se tente, hein, on teste, hein. Ouais, j'ai pas envie de tomber. Le truc, c'est que là, maintenant, quand je suis là, bah je fais quoi? Non, je peux pas. Ah, oh, j'aurais trop aimé, mais non, je peux pas. Non, c'est pas ça, les amis, à mon avis. C'est pas ça, non, c'est pas ça. C'est pas, j'ai failli mourir. T'as entendu ou pas le vent? Je me suis dit, merde, est-ce qu'on va mourir? Mais non. C'est pas ça, les amis. Donc, si c'est pas ça, qu'est-ce que ça peut être? Parce que ça, on est d'accord que là, il y a un truc à faire avec l'histoire des radiateurs, etc. Ouais.
Le truc en fait que je comprends pas, tu vois, on dit hein, c'est que on avait à la base c'était comme ça, c'était sur le froid. Donc du coup, faut bien l'activer. Là, il y a un truc qui se passe. Mais on fait quoi? Mais je comprends pas. On fait quoi? Passer par là. Hop. Ça. C'est pas ici. Rien. Est-ce qu'il est en haut, tu crois? Je ne sais pas. Après, j'ai désactivé le courant aussi. Hein. Faut le prendre en considération. J'ai désactivé le courant. Il y a aussi la clé grise, je sais pas où elle est. C'est embêtant. Oui. Il y a forcément un truc caché qu'on n'a pas vu. C'est ultra frustrant. C'est ultra ultra frustrant. T'as pas d'idée toi? Non. De toute façon, on va encore regarder un petit peu partout les amis. Et si vraiment on trouve pas la solution, on s'arrêtera. Je suis pas là. On fera un autre live, on s'arrêtera là, on cherchera autre part, ok? Parce que là ils disent. Oh, mais pourquoi je suis encore là moi? Le requin. Mais pourquoi je suis regarde? Oui, c'est clair. Ah ouais, truc chelou de t'entendre dans ce jeu. Ah ouais, truc bizarre. Hein. Ouais. Normalement, dans la salle de bain, la salle des tableaux. Pour que les requins soient morts. Ah, mais comment je coupe l'eau? Non, il faut pas que je coupe l'eau, il faut que je la gèle l'eau. Mais comment? Je crois que les radiateurs chauffent avec le chaud. Bah ouais. Mais comment les détruire les radiateurs. Non, mais je les trucs comment les radiateurs? Avec ma tête. Ich. La clé à molette dans le frigo. Ah bon? Bon? Bah, y'a quelqu'un qui a dit ça. On va checker. Je fais exprès, je fais exprès. Il va y aller. La gueule. Attention. Bah, écoute, ça mérite qu'on aille voir. Oh, bien vu! Bravo! Bien vu, bravo! Qui a dit ça? Je sais pas, mais bravo, bien vu. Bah, merci à toi. Après, je sais pas. Trop à quoi ça nous servait. Si, bah, le mec ou la fille qui a dit ça, bah merci. J'avoue, merci. Parce que ça aide. Pour le coup, ça aide. Ah, par contre, on peut pas rentrer dans la salle de bain. Faudrait peut-être qu'on casse la salle de bain parce qu'on n'y est pas rentré. Enfin, on n'y a pas accès, tu vois, donc c'est un peu bizarre qu'on n'y ait pas accès. Oui, mais pourtant, tu vas te contenter de. Bon, pour l'instant, on va se contenter de ça. Il y a une lampe torche là, ok, on la perdrait. Ok. Il n'y a pas de clé grise par hasard. Genre là. Pas de clé. Une banane. Ça peut toujours servir. Là. Bah les steaks, très bien, y'a rien dedans. Non, y'a rien dedans, ok. Clé grise. Peut-être, hein, je regarde, on sait jamais, de toute façon on connaît pas. Donc tant qu'à faire, autant regarder partout. Pas de clé grise. Ok. C'est une blague. Il est là, je crois. Faut qu'on se casse. Je prends une deuxième. J'aime bien les lampes torches, ok, c'est mon passe-temps, c'est mon grand passe-temps. Du coup, c'est la salle de bain? Non, c'est pas la salle de bain. Ah, mais la salle de bain est condamnée. Bah non, oh, tu peux. Oh le relou! Non, tu peux pas y aller. Tu vois? Oui, mais maintenant tu peux déverrouiller ce truc. Tu vois? What the hell? What the fuck? Oh, mais c'est la clé! Yes! Du dish. Par contre, maintenant. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça! Récupère là. Voilà. Et. Voilà! C'est déjà un bon point! Par contre, attends, mouchage furtif? Vas-y, mouche-toi furtivement. Sur le côté, vas-y. Furtivement! C'est une très belle furtivité. Wow! Il est là. Maintenant qu'on a la clé, est-ce que ça va servir à quelque chose ou pas? Vas-y, viens. Reviens. On l'a sonné. Par contre, maintenant qu'on a la clé, à quoi elle nous sert? Parce que on peut clairement casser des radiateurs. Est-ce qu'on peut casser des radiateurs avec ça? Avec la clé? Peut-être. C'est peut-être ça en fait, non? On va tester. La clé! Par contre, il est vraiment chaud avec ça, hein. Il en a mis partout. Il est relou de ouf, il en a mis partout. Ok, là, j'ai cru que c'était une clé grise, mais non. C'est une clé blanche. Comme diraient les villageois. Ouais, lui, il a vu dans le craft. T'as reconnu? Oui. Regarde comment il est vénère, de ouf. Alors, attends. C'est pas des radiateurs. Non, je peux pas, hein. Bah, c'est des radiateurs, en soi. Qu'est-ce que je peux faire les amis à part ce que j'ai déjà fait avec cette clé? C'est génial, on peut se tenir comme ça, c'est énorme. Ça, tu me dis si tu veux des trucs intéressants. Passer par là. La clé plus les radiateurs égale boue. Ah bon? Le feu. Parce que là en soi regarde, on peut repasser par là, hein, princesse. Mais là,
On tombe, t'es sûr? On teste? On teste. Écoute, je teste, hein. Oh, ça marche pas, les amis. Hein. Franchement, je pense pas que ça doit être ça. Hein. Pas avec la clé, en tout cas. Hein. Non, essaye je pense pas. De viser les tuyaux avec ta clé. Genre ça? Non, ça marche pas non plus. Il y a, à mon avis, on a ouvert un truc, c'est intéressant, on a avancé un petit peu. Mais je vois pas ce qu'on pourrait faire d'autre. Hop, non, par contre, ne tombe pas, s'il te plaît. Voilà. Hop. Qu'est-ce qu'ils disent? Il y a des petites. Des il petits faut trucs. Peut-être mouiller les radiateurs. Essaye de deviner les tuyaux. Ouais. La ça, salle. Y a un truc à faire avec ça? Y a forcément un truc à faire avec ça, on est d'accord. Les radiateurs où tu galères me font. Oh, oh, c'est embêtant. Le boulon de se couper le courant, c'est pour ça que tu ne le joues pas. Ben ouais, mais le truc c'est que même avant que je le coupe le courant, regardez, si je le remets, regardez, les amis, le truc c'est que, regardez, on est bien d'accord, là je remets le courant. Hop, je remets le courant, ok. Donc déjà il est super chiant, parce qu'il a à peu près 36 caméras par mètre carré, ok. On passe par l'échelle, parce que ça nous aide beaucoup plus. Et maintenant que j'ai remis le courant, si on passe par là, tu joues. Ensuite, c'est vachement mieux maintenant qu'on a ouvert l'échelle, hein. C'est super pratique. Hein. Bah l'eau est toujours là. C'est ça que je comprends pas. L'eau est toujours fucking là. Par contre, c'est... Et à un moment, j'ai me foiré. Hein. Le bruit de téléphone. Ouais, ouais. Attends, je regarde juste. Là, on y est allé par là? Non. Si je fais ça. Si, si, on est déjà allé. Si, si, c'est le truc de base. Ah, si, mais... Non. Non, mais non. Ça, par exemple. Je peux rien faire avec, ok. Ça, on est d'accord, ça marche pas, hein, il nous faut un pied de biche, ok, donc ça marche pas. Je suis sûr c'est ça, tu vois, regarde, là il y a du rouge, ok. Donc là, les amis, c'est sûr et certain, là il y a du rouge, donc il faut le mettre sur le froid. Mais, comment est-ce que j'atteins cette porte, comment est-ce que j'ai les pieds de biche, c'est ça en fait qui nous bloque. C'est ça en fait, c'est sûr et certain avec parce que... Avec la petite amoulette, essaye d'ouvrir les fenêtres avec du bois. Non, ça marchera pas les amis, il faut absolument ça, il faut absolument aller ici. La salle avec une porte en haut, bah il y a une espèce de robinet, peut-être qu'il faut activer pour voir si on monte jusqu'à la porte. Je sais pas. Hein. Les amis, je suis quasi certain qu'il faut aller en haut. Hein. Merci. Tu m'en diras les nouvelles. Hop. Tu me contactes sur le téléphone. Exactement. Ça me fera plaisir. Dans la salle, il y a une manivelle que je vais louer sur la fournaise en bas. Fouille partout. Des... Merci. Souris. Il dort. Les amis, il y a un truc, ça me saoule. On est tellement près du but, c'est relou. Non, vous voyez, il n'y a rien sous l'oreiller. Ça aurait pu, en vrai, ça aurait pu. Ouais. Mais il n'y a rien. Comme ça, quand même. Oh, oh. Je crois qu'il arrive. On va se barrer d'ici. Hop, très très vite, voilà. Peut-être des trucs cachés par là, je sais pas. Non, rien ici, rien ici. Tu me dis, Prince, si tu vois quelque chose. Hein. Moi, juste, il nous manque une chaussure. Ici, on est déjà venu 650 fois, il y a que dalle. Mais oui, il y a rien. La manivelle dans la salle des requins, vous voyez où la manivelle? Là, je peux rien faire, hein. Si je vais là, voilà, il y a directement le mec qui est dans le futur. Donc concrètement, non, ça sert à rien non plus, ça. Il n'y a pas de manivelle, les amis, dans la salle des requins. T'en vois une, toi, manivelle? Là, la seule truc que je vois, moi, c'est ça. Mais ici, il me bouffe direct dès que j'arrive. C'est relou! Je sais pas. Écoutez les amis, je sais pas du tout. C'est une blague. Bon, bah les amis, vous savez qu'on va s'arrêter ici. Je pense que c'était un bon petit live. En vrai, c'était vraiment cool. Ça fait une heure. Ça fait tout pile une heure. Ça fait tout pile une heure qu'on est en live. Je pense qu'on va s'arrêter ici. J'ai pas trouvé. Là, pour le coup, il manque quelques petits trucs à découvrir. Je sais pas trop encore quoi. Je vais essayer de me renseigner. Si jamais vous avez également des conseils à me donner dans les commentaires de la rediffusion, n'hésitez pas à le faire.
Et si vous savez ce qu'il faut faire, n'hésitez pas aussi, et que vous voyez par contre quelqu'un qui met un commentaire, n'hésitez pas à liker son commentaire pour qu'il arrive tout en haut et que je puisse le voir le plus rapidement possible. Comme ça, je pourrais refaire un live rapidement et du coup, faire ça. Ça pourrait être cool. Parce que là, clairement, j'ai aucune idée de comment faire. Hein. Toi non plus. C'est embêtant, mon cher Watson. Oui, mon cher Charles. Exactement. Du coup, les amis, j'espère que ça vous aura plu. C'était vraiment, vraiment super cool. J'ai adoré faire ce petit live découverte avec vous. Le jeu est énorme. La version finale est géniale. J'ai hâte de découvrir la suite. On est déjà à l'acte... En vrai, l'acte 1, on l'a super bien géré. L'acte 2... C'est déjà, tu vois que ça monte un peu plus haut quand même. Du coup, voilà, si vous voulez revoir Olivia, si vous voulez qu'on refasse du Hello Neighbor, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, ouais. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à exploser tous les... On a explosé le pouce bleu. Ouais. Demande une explosion de pouce bleu. 20 000 likes. Oh, craqué. On va dire 4 000, c'est possible. 4 000, c'est possible. Allez, 4 000. 4 000, on tente 4 000, les amis, on tente, et la team rediffusion, évidemment, vous participez. Hein. 4 000 pouces bleus, les amis, ce serait génial. Du coup, voilà, n'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne. Dans ce cas-là, elle était partie sur 2 millions de pouces bleus. Elle était partie sur 3 millions de pouces bleus. Du coup, non, on va partir quand même sur 4 000. C'est doucement, c'est sympa, c'est bien. On est calme, parce que bon, 20 000, on va pas déconner, quoi. Du coup, voilà, les amis, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait. Dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire et également tous vos conseils. J'irai les lire avec grande précaution. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo, très très vite pour un nouveau live. D'ici là, prenez soin de vous, c'est le plus important. Et n'oubliez surtout pas qu'une journée sans rien est une journée perdue. Alors souriez. C'était Sora. Et Olivia. Ciao ciao tout le monde. Et évidemment, la team Cassoulet. Hein, la team Cassoulet qui est toujours là. Qui est toujours présente. Exactement. Team Arizona, team Cassoulet, c'est parti. Ciao ciao tout le monde.